Bonjour, bienvenue sur argus.fr. Nous sommes ici à Sochaux, dans le centre technique où a été développée la DS7 Crossback, le nouveau grand SUV premium de la marque DS, un modèle qui sera commercialisé début 2018. Donc on le voit pour la toute première fois avec sa calandre double wings. C'est le premier modèle en fait de la marque DS, en tant que marque DS. Donc un modèle important en termes d'image. Donc on va découvrir toutes ses particularités et tout l'aspect premium qui se dégage de ce véhicule. On voit donc une calandre avec beaucoup de chrome, des phares avec de nombreux raffinements, des technologies à LED notamment. Et puis après, en termes de style, c'est dynamique, c'est nervuré, c'est plutôt une très bonne impression. Les flancs de ce DS7 Crossback sont très travaillés, on a des nervures à l'avant et à l'arrière qui donnent du dynamisme, une custode en pointe, ça c'est typiquement DS, et des nervures comme ceci. À l'arrière, le haillon autoclave, ça apporte de la qualité et aussi de l'accessibilité parce que le volume de coffre, c'est 555 litres, c'est mieux que la concurrence. Alors bon, évidemment, il y a une petite filiation avec certains SUV de chez Audi, on s'en cachera pas, mais en même temps, toute cette inspiration au niveau des feux et la texture, c'est le concept car divine et le concept car Itens, donc on est vraiment dans l'ADN de DS. À bord de cette DS7 Crossback, l'ambiance premium est au rendez-vous. On a été habitué déjà dans la marque DS avec un niveau de raffinement, avec des cuirs et des matériaux spécifiques. Là, bah, ça hausse encore le niveau d'un cran. On est quasiment au niveau de la concurrence. À l'arrière, non seulement on a de l'espace, mais surtout ce qui est très important, c'est le confort postural avec des mousses au niveau des sièges. Ça, c'est la carte de visite de DS, le confort. Et puis nous, on vous donne rendez-vous pour découvrir la DS7 Crossback.